Et coucou à tous. Et la lumière aujourd'hui. Regardez un peu. Regardez un peu celui-là. S'il va bien. C'est celle de l'Iacar. Et les jantes que j'ai sur mon Audi, c'est les mêmes. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a eu un rageux vite fait quoi. Mercedes, je sais pas quoi. Il dit, tu t'étonnes que les voitures marchent pas quand tu touches. Il y a 20 ans que j'y touche aux voitures et je n'ai pas l'impression que c'est moi qui les mets en panne. Hein. C'est pas moi qui ai grignoté les tuyaux de BX ni quoi que ce soit. Hein. Toutes les trucs que j'ai eu, hein, c'est pas moi qui les crée. Hein. Moi je fais que je me contente de les réparer. Quoi. C'est déjà pas mal, je trouve. Mais non, après, si t'es plus fort que tout le monde, il faut ouvrir ton garage et nous faire voir de quoi t'es capable. Simplement, quoi. Voilà. Bon. Maintenant, on va déplacer un peu ces deux véhicules. Parce qu'on va tirer l'express là-bas. Comme l'express va être démonté, je vais la mettre ici. Là, c'est le coin des épaves. On va mettre l'express là et certainement la 4L verte qui va partir à la casse. Peut-être la société blanche aussi là-bas. Voilà. Mais par étapes, on va procéder. Donc, même celle-là, là, comme je vais mettre le moteur sur la break Bordeaux que je vais sauver, celle-là, on la démontre entièrement et à la poubelle. De toute façon, il n'y aura plus rien de récupérable dessus. Hein. L'hydraulique est mort. Enfin, si, je vais récupérer les sphères que j'avais changées, les portières, les custodes, les ailes arrière, tout. Je vais tout récupérer. Elle va être à poil, la voiture. Donc, du coup, là, ce que je fais un démarrage pour vous faire voir qu'elle marche très bien, cette voiture. Elle est froide. Regardez. Je touche le collecteur, là, hein. Voilà. Donc là, le moteur est très très froid. On est bien d'accord. Hein. Là, je vais la démarrer. Je vais faire voir que le moteur est excellent. Attendez. Je vais plutôt vous mettre là. Ça sera plus facile. Hein. C'est le temps que l'essence arrive au service. Elle est montée un peu. C'est le truc blanc là. Un truc blanc. Oui. Oui. Il va bien y être en quelque part là. Non, il n'y a rien. Hein. Voilà, c'est ça. Cette serrure ne marche pas. Il y a la batterie là. Oui, oui. Mais il faut la rebrancher parce qu'il y a une perte, je ne sais pas où. Une perte blanche. Une perte sèche, oui. Plutôt ça. Ouais, je vais enlever l'autre, je n'ai pas envie que je chauffe. Hop. Elle tourne impeccable cette voiture, sans déconner. On dirait pas que j'ai eu des problèmes avec. Hein. Je sais pas où la mettre, hein, c'est ça le souci. Oh, ça fait chier.
chier, ça. J'ai trop de voitures, moi, ça. C'est chiant. Non, ça va respecter. Là, je sais pas. Il fait chier cette courroie là. Attends, je regarde où c'est que je. Voilà. Voilà, c'est là. Là, je gênerai pas là. Au fond, dans un mois, je... logiquement, je démonte le moteur. Donc voilà. Ça sera un peu l'abri. Marche arrière. Je viendrai là récupérer les choses à tout à l'heure. Là, je sais plus qu'est-ce qu'il faut jamais tout cette batterie. Je sais plus. Alors ? Oh, mais... prends le masque, parce que tu me diras. Là, il est empilé. Oh. Il y a un fil là. Il y a un fil moitié foutu. Bon, mais le démarrage et l'affiche, c'est plus terminé. Hein. On mettra l'affiche sur le démarreur et puis voilà. C'est pas la peine. C'était un mauvais branchement là, du véhicule. Je sais pas comment ça se fait. Bon, des fois il reste ouvert, alors peut-être quelqu'un y a touché, je sais rien. Ah, mais c'est. Je vois qu'est-ce qu'il avait ce machin en fait. Il veut pas démarrer, des fois il démarre, hein, on sait rien. On va ranger la ferraille ici. Faut attirer la 4L. Oh, c'est pas une bonne idée. Hein. Mais laisse-le tourner, on le mettra là-bas quand on aura fini. Parce que là, il faut qu'elle sorte là. Il faut que la Broadway puisse sortir là-bas. Hein? Une chaîne peut-être, non? Il y en a une dans le tracteur déjà. Ah,
est pas cassé. Allez. Il n'y en a pas, il n'y a pas de frein. Avec le blocage, ça va de suite mieux. Baisse et reprend. Je sais pas s'il va comprendre. Mais... ça craque. Tant que ça craque, c'est que c'est en bon état. Voilà la veste autour. Et sinon tu la tires en marche avant et tu la reprendras. Ah putain. Quand je m'avance un peu là, j'essaye d'en le crocher parce que je suis trop long, c'est trop court, alors du coup là tu fais tout neuf. Tu la tires en marche avant et après tu la reprendras. Même pas. Elle suivra. Hein.
plutôt bien là. Là, il roule bien cette espèce. Je fais une affaire à cette hauteur. Impeccable, pour un peu. Ah. Peut-être, ouais. Les genoux, hein. Oh. Oh, arrête. Allez. Voilà, comme ça partira, ça vous fera la peine. Pour récupérer les pièces, là. Et...